Bonjour. Voici la marche à suivre si vous voulez jouer au mot à compléter. Alors, le mot à compléter existait déjà sur l'ancien forum, que nous allons quitter bientôt, et vous allez le retrouver ici d'une manière un peu différente. Alors, bien entendu, il va falloir vous rendre sur le sujet du mot à compléter. Alors, soit vous y allez ici si vous le voyez, nous l'avons ici, le mot à compléter, ou bien ça se trouve dans Discussion, les jeux. Ici, vous pouvez voir les jeux en dessous. Ou même si vous cliquez sur Discussion comme ceci, vous verrez les jeux. Et ici, vous allez avoir tous les jeux qu'on va mettre en place. Le pendu, le jeu du chat noir, et en ce qui nous concerne aujourd'hui, le mot à compléter. Alors, pour jouer, c'est simple. Il suffit de cliquer sur « Répondre » en dessous de mon message. En haut de bienvenue, vous cliquez sur répondre. Dans l'éditeur de texte ici, vous voyez le premier icône ici qui ressemble à un personnage. En cliquant dessus, vous allez être dirigé vers un formulaire pour remplir le mot que vous voulez proposer. Attention, cette fonction ne concerne que ceux qui vont proposer un mot et pas ceux qui répondent pour trouver le mot. En cliquant dessus, vous arrivez sur ce formulaire, le mot à compléter. Alors, quelques petites explications, bien entendu. Bienvenue dans notre nouveau jeu. Le but est de proposer un mot aux autres membres en donnant la première lettre et la dernière lettre de ce mot avec comme seul indice le nombre total de lettres contenues dans le mot. Avant de participer, je vous invite à regarder, alors je vais mettre un lien, bien entendu, pour la vidéo, qui vous explique le déroulement du jeu et évitez les commentaires quand même ou les smileys un petit peu de façon à ce que ça soit plus clair pour tout le monde. Alors ici, tous les champs vont être obligatoires. Il faut mettre votre pseudo. Donc là, je suis sous Vivi, je vais mettre Vivi. Le mot à compléter contient, ici, il va falloir mettre le nombre de lettres. Je vais prendre un exemple, 10 lettres. Et le mot, alors, vous avez un exemple, mais en cliquant dessus, vous allez mettre votre mot. Et une petite explication, votre mot doit contenir la première et la dernière lettre en majuscule, pour que ce soit plus clair, avec autant de tirets entre ces deux dernières qu'il y a de lettres manquantes. Pensez aussi à mettre un espace entre chaque tiret de façon à rendre plus lisible le résultat obtenu. Alors, comme vous pouvez le constater en dessous, il y a exemple, j'ai le A, un espace, tiré, etc. Autant de tirés qu'il y a de lettres manquantes. Ce qui nous fait, si je prends, par exemple, pour un mot de 5 lettres, si je mets 5 ici, je vais mettre la première lettre. Vous verrez qu'en mettant vos lettres, le exemple va disparaître. Donc, je mets ma première lettre. Un espace, étant donné qu'il y a 5 lettres et qu'on va connaître la première et la dernière, il va manquer 3 lettres, il faudra mettre 3 tirets avec un espace entre chaque. Donc je mets un tiret, un deuxième tiret, un troisième tiret, et ma dernière lettre, comme ceci. En cliquant sur « Publier », vous aurez le message. Le message a été posté avec succès, vous allez être redirigé sur le message. Vous cliquez sur « OK ». Et vous allez obtenir ce résultat. Voilà. Ça va être automatique. Nouveau mot, votre pseudo. Le mot à compléter contient 5 lettres. Et le mot à compléter, vous avez en 5 lettres et le suivant. Et vous avez ça. Et ce sera au membre qui veut jouer de vous proposer les mots. Et comme vous le faisiez avant sur l'autre forum, vous répondez avec le nombre de lettres manquantes ou le nombre de lettres qui ont été trouvées, etc. etc. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous servira. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.